Ah. Oh, je sais ce que c'est. Il a même pas caché TK, TK, il est trop gros. Ah ouais. Méditika peut-être shiny. Méditika. Oh, il est shiny. Mais non. Il est shiny. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh my god. Oh my god, les amis. Oh, je vous jure que c'est vrai, je vous dis. Est-ce que je le filme? Ah, je le filme. Oh my god. Vous avez mon cri naturel, les gars. Vous avez mon cri naturel. Oh my god. Mais la chance. C'est le premier qu'on a rencontré de la soirée. Oh mais cette chance. Oh my god, Méditika shiny. Oh my god. En plus je crois que je l'avais déjà, du coup je pourrais le faire évoluer en Charmina. Oh my god. Mais what the fuck. En plus, non mais what. En plus, juste Timothée, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a 10 secondes on disait ouais les shiny c'est hyper dur à avoir. Oh my god. Mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Mais regardez-moi ça. Mais la chance. Oh il est incroyable les gars, pétez-moi la barre de pouce bleu pour ce shiny. Évolue en Charmina. Allez let's go mes chers amis. Oh là là c'est incroyable, oh je suis trop content les potes. Je suis tellement content. Mais non, mais quelle chance. Mais non. Oh, oh comment il est beau. Il est tout bleu. Oh je l'avais pas dans mon, je l'avais pas dans Pokédex. Oh c'est incroyable. Oh il est incroyable, mes amis, dites-moi votre avis sur ce Charmina Shiny. Il est juste insane. Hey, salut à tous les amis, c'est la Parche Pokémon, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, c'est excellent, c'est super. Aujourd'hui mes chers amis, je suis à la Défense, aux 4 temps, pour participer au Community Day de Tarsal, mes chers amis. Donc ça fait très longtemps que j'avais pas fait de Community Day, donc si vous êtes content que je fasse un Community Day et que je vous filme cette chasse, eh bien, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Donc du coup il y aura plus de Tarsal Shiny qu'on pourra faire évoluer en Kyrdia Shiny, en Gardevoir Shiny, en Galam Shiny. Et si on les fait évoluer pendant les heures où il y a Community Day, il y aura une attaque spéciale, donc du coup on va faire tout ça. Et peut-être qu'en bonus il y aura un raid de Rayquaza, en tout cas je l'espère parce que j'aimerais bien l'avoir. Du coup c'est parti, let's go. Bon du coup on commence avec des œufs. Écoutez, c'était pas prévu mais c'est pas grave. Et du coup je vais voir le premier Tarsal, j'ai toujours pas capturé de Tarsal ni rien du tout. Alors, on a un petit Makuhita, écoutez, on peut commencer avec des petits œufs, hein, ça fait plaisir. Au niveau des œufs, j'en suis où? Bah j'en suis là tout simplement. Donc du coup, voilà tous les leurs qu'il y a. Bah il y a encore un œuf, mais what the fuck. Je voulais vous montrer tous les leurs qu'il y a, mais je pense que vous connaissez maintenant la Défense. Et on a un appareil, il aurait pu être shiny, ça c'est stylé hein. J'ai déjà eu un shiny dans un œuf. Hier je vous avais filmé en direct. Allez please, j'ai envie de capturer les Tarsal du coup maintenant. Ah ouais ça je l'ai pas ça. Je l'avais pas ça, si. Cradopo, ah ouais. Ah ouais, je l'avais pas. Enfin si je l'avais mais j'avais pas beaucoup de bonbons. Oh il y a encore un œuf, mais what the fuck. Bon du coup commencer avec des œufs, faudrait être un petit peu patient. Et ça me va, franchement ça me va. En Apitrini, super. Apitrini, genre que je trouve jamais en naturel. Et ça fait 24 bonbons, on pourra le faire bientôt évoluer en Apirène. Du coup, tous les Pokéstop ont des leurs. Et... Ah ouais, c'est vrai que ça va bugger, tout le monde va être dessus. Bref, du coup, je vais essayer de m'en sortir devant les Pokémon. Et du coup, on va rentrer en plein l'Aldon là. Et chercher des petits Tarsal, quoi, les gars. Donc c'est parti. Oh là là, et c'est vraiment abusé, les gars. Je fais même pas tourner les Pokéstop. Il y en a vraiment partout, il y en a vraiment partout. Donc j'ai toujours pas eu de Shiny. Je filme toutes les captures et après on va faire que les shiny, je me répète, mais bon, au moins les choses sont dites. Aïe. En plus j'ai hâte de voir comment ça va rendre et tout. Allez. Allez. Parfois, c'est vrai que j'avais fait des community où je l'avais du premier coup le Tarsal. Et là, oh bah d'accord, super, yes. Excellent ça. Yes les amis. Yes. Donc là ça fait quoi? Ça fait une petite dizaine déjà. Hein, ça commence à faire une petite dizaine déjà. Oh, il y en a d'autres, il y en a un ici là. Ici le petit. Oh oui les shiny, c'est mon premier shiny les amis. Le shiny, on a bien fait de cliquer dessus. Magnifique, il est magnifique. Regardez-moi ce beau Tarsal shiny. On va le mettre en ERA pour voir ce que ça donne. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Wesh. Wesh. Ah il est là. Allez. Regardez ça comment il est beau ce Tarsal. Il est magnifique mes chers amis ce petit Tarsal. Allez du coup, le Tarsal est ici. Magnifique, il est magnifique. Du coup on va y aller directement à l'Hyper Ball. Allez, premier Tarsal Shiny peut-être. Il est bleu avec des petits contours orange. Et ça va être le premier Shiny. Ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Ça c'est bien ça. Et c'est le premier Shiny capturé. Yes les gars, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Et regardez à quoi il ressemble. Il est juste ici.
Il est juste magnifique, regardez ça. C'est le premier, on va l'évaluer, tiens, on va l'évaluer, puis après on fera ça en fin de vidéo. Bon, il est pas ouf. Il est pas ouf du tout, mais c'est pas grave. Allez, du coup, maintenant, je vous filme que quand il y a des shiny ou qu'il y a un Pokémon intéressant. Donc, du coup, là, il y a un deuxième shiny, les amis. Et je l'ai eu à peu près au bout de... Ouais, de 6-7 tarsales. Donc, ça va extrêmement vite. Ça va vraiment extrêmement vite. Par contre, c'est vrai que ça va commencer à bugger. Il y a énormément de gens qui sont là pour l'event. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est comme je vous disais en vidéo, le jeu n'est clairement loin d'être mort. Et ça, c'est super cool. Et donc du coup, j'espère que je vais avoir le deuxième, allez, le petit deuxième. Et le deuxième, il est capturé. De toute façon, je vous montrerai tout mon inventaire également, de tous les tarsales que j'ai capturés. Je clique aussi sur les autres Pokémon pour voir s'ils sont shiny. Et voilà, magnifique, on va l'évaluer également celui-ci. Et il est dégueulasse. Mais voilà, il y a tellement de choses ici. Mais regardez-moi ça, il y en a énormément. Il y a même un truc de la Team Rocket. C'est vraiment abusé. Bon, du coup, il est 16h47. Donc sans vous mentir, ça doit faire une demi-heure que je n'avais pas eu sans m'arrêter. Donc ouais, bref, du coup une demi-heure. Je vais vous montrer tout ce que j'ai capturé, les gars. Franchement, j'y croyais plus, donc j'espère qu'il va pas s'échapper. Je pensais vraiment que j'en avais plus que ça, mais pas du tout en fait. Hein. Et vraiment charbonne. Donc on va directement l'évaluer, le petit là. Et il est dégueulasse. Super, yes. Du coup, regardez ça, tac, tac, tac. Regardez tout ce que j'ai capturé, donc là il y a shiny, regardez tout ça. C'est tout ce que j'ai capturé avant les anciens shiny. Juste ici, regardez ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de tarsales. Et donc du coup, pour l'instant, ça fait 3. Donc du coup, c'est l'heure de la pause, les gars, ça fait une heure et demie que je suis sur le truc. J'ai eu que 3 shiny et je peux vous dire que j'ai charbonné, les gars. J'ai charbonné les tarsales. J'ai charbonné, regardez ça, j'arrive même plus à trouver les shiny que j'ai eu. Vraiment les gars, j'en ai vraiment pas du tout, j'en ai quasiment aucun. Et du coup bah je m'arrête pas quoi, mais bon. Oh bah tiens, j'en ai un. Oh my god, on tirait creux. Voilà, ça fait plaisir. Ah, j'étais en train de me plaindre en plus. Ah bah c'est bien ça. Ah bah c'est bien. Et du coup après je vais pouvoir manger tranquillement. Ah, c'est le quatrième, ça c'est bien. Tiens, regarde, sauf. Ouais. C'est bien ça. Ça c'est bien. Attends, faut juste que je les capture, s'il te plaît, frérot. Allez. Oui, c'est le quatrième. Du coup, je vais pouvoir manger tranquillement, mes chers amis. Mais il m'en fallait au moins 4 pour avoir un Pokémon de chaque exemplaire. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. On va l'évaluer direct. Le quatrième. Et il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, les gars. Mais non. Mais non, les gars, juste après. Juste après. C'est le cinquième, je crois. Oh, ça fait plaisir. Par contre, il a 420, il va être pas facile à être attrapé. Et par contre, les gars, je suis arrivé à piano à la défense là et ça tue. En vérité, c'est bon. Allez, t'échappe pas, mon petit. Hein. Me déçois pas. Hein. Voilà, ça c'est bien. Ouah, ça fait là, t'es bien, mon Sof. Ah, bah voilà. Ça c'est bien. Je suis content pour toi, Sof. C'est bien ça. Et du coup, on va l'évaluer direct. Ah, il est dégueulasse aussi, mais c'est pas grave. C'est nickel, ça. C'est nickel. Nickel. Bon, alors attendez là, parce que je comprends pas ce qui se passe. J'en ai eu 2 d'affilée, vraiment. J'ai même pas cliqué sur notre Pokémon. J'en ai clairement eu 2 d'affilée. Je vous montre dans mon inventaire. J'espère qu'il va pas s'échapper. C'est clairement abusé. Attendez, 2, allez, 2, 3. Oui. Non, mais attendez, les gars. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Regardez ça. Attendez, regardez dans mon inventaire. Pokémon. Tarsal Shiny, Tarsal Shiny, Tarsal Normal, Tarsal Shiny. J'en ai eu 3 Shiny en 4 Pokémon. Alors j'en avais capturé une centaine avant sans rien. Et bah comme quoi ça vaut le coup de pas abandonner quoi. Et Chelsea bien évidemment elle chasse aussi. Hein. Ouais, bon Chelsea. Hein. T'en as toujours pas un? Non. Et TK aussi chasse, voilà, il fait sa petite chasse aussi. Bah c'est cool ça, mais c'est bien les gars. 1, 2, 3. Ah yes. Oh Chelsea aussi. Ça va, mais moi j'ai mis 15 piges à la voix. C'est une blague, j'en ai mis 100. Vas-y Chel. En toute sérénité de Chelsea. Oh là, oh là. Allez, allez. Oui. Oh le bâtard, il a eu. Et Sofiane que c'est un shiny. C'est bien mon Sof. Et du coup on reprend l'activité mes amis. Pourquoi j'ai fait un oh my god? Parce que tout simplement j'ai un gros tas de morts obscurs. Et c'est un des nouveaux Pokémon ultra rares qui a été ajouté pour la Team Rocket. Donc franchement ça, quel plaisir quoi.
Du coup, je vais essayer de vous le capturer, quoi. Oh, regardez-moi ça, on va même le foutre sur la tête de TK. Attends, il est où, wesh? Il est là. Attends. Tu l'as aussi? Oh, il est, tout le monde là. Mais, apparaît, wesh. J'arrive. Mais oui, celle-ci, j'ai vu. Oh, regardez, il est sur TK. Il est sur la tête de TK, regarde. Il a même pas caché TK, TK, il est trop gros. Ah ouais. TK, tourne la tête à droite. Non, mets-toi, penche-toi. Il comprend pas. Penche-toi. Regardez, il est là. Nous savons que Blizzard est quand même très très rare de le voir en naturel. Ça qui est le plaisir, mes chers amis. Oh, il est gros sa mère. Ah les gars, ça c'est une bonne chasse, des shiny, des Pokémon obscurs, des Blizzard Roi, c'est bien ça. Et c'est capturé. Et des gosses qui crient. Ah oui, par contre gros, ouais, lui il a niqué le système. Oui. Regardez-moi ça, wesh. Ouais. Comment il est beau. Et c'est un Blizzard Roi. Alors mes chers amis, ça fait un petit shiny. Et donc du coup, moi pour ma part, j'en ai eu 7 en tout et il reste 45 minutes d'event. Donc, je suis désolé pour mon coiffure d'ailleurs. J'en ai eu 7, ils sont juste ici, 7 shiny, mes chers amis, il reste 45 minutes d'event et j'ai pas arrêté d'en capturer. J'ai pas arrêté, je vais avoir plus de 600 bonbons maintenant, c'est clairement abusé. Du coup, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer de finir l'event, mais bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Je vous filmerai peut-être à chaque fois que j'ai un shiny, mais en tout cas, je suis super content d'avoir reparticipé à un shiny, un community day pour avoir des shiny, d'avoir plus des milliers, parce que c'est des milliers de joueurs qui jouent. Je suis content d'avoir recroisé plein d'abonnés, je vous fais tous un big up, j'ai fait pas mal de photos, c'est super gentil. Merci beaucoup pour ce moment mes chers amis, voilà. Bon, petite surprise en fin de cette vidéo, on a la fin d'event là, dans 30 minutes, et on a fait un raid Rayquaza. Il peut être shiny. Je n'ai pas. Attention, bah du coup moi j'ai 0 Pokéball bonus, abusé la team jaune, abusé. Allez, shiny. Noir. Fuck. Du coup, on va le mettre en RA quand même, le truc. Là. Il est où le machin? Il est où? Il est où, ce bâtard? Ah, il est là. Ah, il est sur les chiens. Oh, il est incroyable. Oh, c'est un... Ah, c'est insane. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Du coup, les gars, on va essayer de le capturer, hein, parce que moi, je l'ai pas tout court. Du coup, je vous filme la capture. Alors, c'est le moment de faire la première évolution, mes chers amis. La première évolution, du coup, on va faire un Gardevoir shiny avec l'attaque spéciale. J'ai pris celui-là qui avait le meilleur IV, tout simplement. Allez, les gars, du coup, je vais avoir 4 nouveaux shiny. Ça fait super plaisir, ça. Attention. Oh, il est magnifique, Kirlia, également. Oh, il est magnifique, Kirlia. Magnifique. Et je l'avais pas dans mon Pokédex. Il s'ajoute en tant que shiny. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on va directement le faire évoluer en Gardevoir. Et bien sûr, il va avoir l'attaque spéciale. Allez, mon petit. Oh, le Gardevoir shiny. Et le Gardevoir shiny. Oh là là. Topissime. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique Gardevoir shiny, du coup qu'à l'attaque syncropène. Il est juste ici, on va pouvoir le maxer à fond juste après. Du coup on va rechecker les IV et on va faire cette fois-ci le Gallam. Alors le Gallam, c'est parti. Il nous faut un mâle, ça c'est un mâle, attention, évaluer. On va voir combien il a. Non. Celui-ci, est-ce que c'est un mâle? Et oui, je crois que celui-ci, ça va être mon meilleur IV. Oui, c'est mon meilleur IV pour le mâle. Donc c'est parti. On va avoir un Gallam, mes chers amis. Et ça, c'est super cool. N'hésitez pas à laisser un max de pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On arrive à la fin. Et bien sûr, moi, je vais me refaire un Kirlia. Bien sûr, le garder spécial. Et je vais essayer de me faire des petits Tarsals pour voir avec des meilleurs IV. Des Gardevoir normaux. Non shiny, mais avec le meilleur IV pour avoir l'attaque spéciale. Ok, et donc du coup c'est parti pour faire évoluer en Gallam. Let's go mes chers amis, regardez ça. La pierre de Sinnoh. Et c'est parti pour le Gallam. Alors la pierre de Sinnoh que j'ai eu par pur hasard et apparemment c'est ultra rare. Bon, écoutez, j'ai un peu de chance, on va pas se le gâcher, mais bon, tant mieux. Hein. Oh, il est incroyable. Il est insane.
Magnifique. Regardez ça. Oh là là, le Gallame, magnifique. Magnifique petit Gallame. Incroyable, il est incroyable. Ça, ça fait plaisir. Regardez ça. Oh, il est beau. Qu'il est beau. Qu'il est beau, et du coup, on va se faire involuer un Kirlia au hasard. On va prendre celui-ci. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, ça fait 5 nouveaux shiny. Non, 4 nouveaux shiny. Tarsal, Kirlia, Gardevoir et Gallame. Quel plaisir, mes amis. Et donc, du coup, j'ai vraiment fait de 16h à 19h, non, 17, non 16h à 19h, oui. 16h à 19h, à fond sans m'arrêter. Et vous avez vu le nombre de bonbons, c'est juste insane. Là, il m'en reste plus que 500, mais j'en avais 800 et des bananes. Donc voilà, les gars. Bénéfice net, il me reste 5 Tarsal shiny. J'ai un Gallame shiny, un Gardevoir shiny et un Kirlia shiny. Voilà, donc en tout, j'en ai eu 9 des shiny. Et j'ai pas chômé. Hein. Je vous le dis, j'ai pas chômé du tout, du tout, du tout, du tout. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais checker tous mes tarsals et les plus forts IV, les plus hauts IV, et bah, je vais les faire évoluer pour avoir des petits Pokémon comme ça assez forts. Mais regardez, j'en ai vraiment capturé énormément, 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 énormément. Ça s'arrête pas. Hein. Regardez ça. Ça ne s'arrête pas. Vraiment, j'ai charbonné, les gars. J'ai charbonné.